Le projet Decide vient à la suite d'une série de projets et d'actions menées entre Handicap International au Maghreb avec des organisations de personnes handicapées du Maroc, de l'Algérie et de la Tunisie. Je travaille sur la question des droits des personnes handicapées a démarré au niveau de la région en concertation, on va dire, avec ces trois pays depuis 2010. Et donc le projet Decide est une suite logique au projet précédent, donc le projet LEAD, qui a été mené entre Handicap International, Maghreb, le collectif pour la promotion des droits des personnes handicapées au Maroc, la Fédération algérienne des personnes handicapées et l'Organisation tunisienne de défense des droits des personnes handicapées. Et donc ces trois partenaires ont continué leur travail suite au LEAD sur le projet Decide. Le projet Decide vient en fait dans un contexte où toute la région a connu de changements profonds. Je donnerai juste la date de 2011 avec des manifestations qui ont impliqué des réformes au niveau constitutionnel et qui aspirent en fait à tous les États à plus de changements et à plus de participation des citoyens. Et parmi ces citoyens, il y a les personnes en situation de handicap. Ce projet vise à faciliter le dialogue entre les différents acteurs, les organisations de personnes handicapées, les organisations de la société civile et les autorités pour le développement, le suivi et la mise en œuvre de politiques publiques inclusives qui respectent les droits des personnes handicapées. Pour atteindre cet objectif, le projet Decide a été construit autour de trois résultats attendus. Le premier résultat concerne la consolidation et le renforcement de capacités des organisations de personnes handicapées du Maghreb. Le deuxième résultat vise plus la création de dispositifs de concertation entre les différents acteurs, donc et de renforcer le dialogue entre ces différents acteurs. Donc, le troisième résultat attendu vise plus les échanges entre les organisations du Maghreb, mais également entre les organisations du Maghreb et celles du Moyen-Orient. Pour pouvoir renforcer les capacités des personnes handicapées, il y a un certain nombre d'activités qui ont été mises en œuvre. La mise en œuvre d'un mapping des organisations de personnes handicapées dans la région. Ce mapping a touché quatre pays, donc l'Algérie, le Maroc, la Tunisie et la Mauritanie, vise à faire une analyse du mouvement du handicap dans ces pays et à élaborer une cartographie qui permette d'avoir les différentes organisations de personnes handicapées. Elles travaillent dans le plaidoyer, dans la prestation de services et face aux différents types de handicap pour ces associations, pour qu'elles puissent se faire connaître et pour faciliter les échanges entre elles. Une des autres activités de ce projet, une formation à distance, une formation e-learning sur les politiques publiques locales inclusives, qui a été développée par une équipe de consultants. Cette formation a touché plus de 90 participants de ces trois pays. Cette formation a permis aux participants d'avoir, on va dire, des connaissances théoriques sur les politiques publiques locales inclusives, mais également, elle leur a fourni, à travers un module qui est plus pratique, d'élaborer des initiatives leur permettant de mettre en œuvre les acquis théoriques qu'ils ont reçus au démarrage de cette formation. Parmi les activités phares de ce projet, c'est une recherche sur la qualité de vie des personnes handicapées de la région. Cette recherche a été faite selon la méthodologie DRPI. Cette méthodologie de recherche, ce qu'elle a comme spécifique, on va dire, c'est qu'elle exige la participation des personnes handicapées à toutes les étapes de la recherche. Le but de cette recherche, c'est connaître les barrières que les personnes handicapées trouvent dans l'accès à la protection sociale, comprendre leur vécu, et tout ça dans une perspective de droits humains. Avec ces résultats, on espère surtout que ce soit possible de développer un plaidoyer qui est basé sur des évidences. Nous voulons mettre les responsables politiques devant leurs responsabilités et nous voulons aussi être une force de proposition.
Donc les différentes productions du mapping, les connaissances acquises dans le cadre de la formation e-learning, mais également les résultats de la recherche autour de la protection sociale, sont utilisés par les organisations de personnes handicapées pour mener leurs actions de plaidoyer face aux autorités. Il y avait différentes thématiques d'initiatives en fait, parce que c'est très varié, les besoins sont différents d'une région à l'autre. Donc un énorme panel avec vraiment beaucoup d'associations qui arrivent à obtenir des autorités publiques, des promesses et un engagement pour améliorer leurs prestations. L'objectif n'est pas de prendre le rôle de l'État par les associations. Notre principal objectif actuellement, c'est d'accompagner, pousser, militer, inciter l'État à mettre d'abord à mettre en place les engagements qu'il a pris. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a énormément de choses qui ont été réalisées et produites et qui sont entre les mains des organisations de personnes handicapées dans chacun des trois pays. C'est à eux maintenant de continuer pour assurer la suite du plaidoyer. Chaque projet capitalise les résultats de projet qui vient et évidemment le projet d'Issaïd lui-même, nous espérons que ce soit aussi un peu le palier pour passer à autre chose. Voilà, l'objectif donc, c'est de continuer jusqu'à avoir un jour une situation, voire on va dire des personnes handicapées qui bénéficient des mêmes droits que tous.